Mais il faut retenir cette idée que une des transformations majeures de l'action collective que nous vivons, c'est de passer d'un mode d'action collective où le point de départ, c'est la conformité à des règles qui ont été fixées ailleurs, au-dessus, au-delà, par des puissances plus ou moins mystérieuses, mais en tout cas investies d'une autorité particulière, à un mode d'action collective où les règles que l'on suit sont des règles qu'on a élaborées en commun. Sont des règles auxquelles on a consenti, sont des règles qu'on a approuvées, sont des règles dont on a contribué à l'énoncé, à la rédaction de ces règles. C'est un changement, mais complet, absolument radical de mode d'action. Et on retrouvera cette idée un peu plus tard dans mon exposé. Ce qui est intéressant, c'est que ça contamine tout le monde à la fois. Il n'y a pas un monde associatif avec des chartes de la coopération, de l'autogestion, de la participation des habitants, etc. Et puis un monde de l'administration verticalisé avec des chefs à plumes, des règlements, de la bureaucratie. Tout ça existe. Mais on va le voir, et ce n'est pas un hasard si l'administration est si bien représentée ici, l'administration, elle a besoin de chartes et elle a besoin de l'engagement des gens. Des citoyens, de ses agents, de ses cadres, nous ne savons plus fonctionner autrement. La charte et l'engagement sont les deux mots-clés de la grammaire contemporaine de l'action collective.